soir vous propose une soirée lecture et chansons d'amour à la bibliothèque de la Cagnère Saint-Hilaire, dans le cadre du voyage impossible mais éternel. Love me. Please love me. Pourquoi te laisserais-je couler des jours paisibles à toi qui me rend les miens insupportables? Ah, combien tu m'aurais été moins cruel si tu m'avais plongé dans le cœur un poignard au lieu du trait fatal qui me tue. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Tu me manques tellement, je t'aime tant. Et la prochaine fois, je retourne avec toi. Sans toi, je suis absolument rien. Rien que la poupée que j'aurais dû naître. Tu es un besoin, un luxe et un amant chéri, adoré. Et tu vas être le mari de ta femme. Écris-moi une lettre de rupture. Ah, je t'en prie, ne nous revoyons plus. Pourquoi cette gêne, ce sentiment de fausse position, cette paralysie, ce mutisme, quand nous avons tout à nous dire? Ce qui est très intéressant quand même avec cet ouvrage, au-delà du fait qu'il soit simple à lire, etc., c'est qu'il fourmille de références. Alors, de livres. On a envie de prendre un papier et de noter, de noter les titres. Ah oui, parce qu'on ah, ben, tiens, on a envie de lire ça. En fait, toute l'histoire est très intéressante. Oui. Déjà, avec ça, en fait, ça donne vraiment un plus à l'ouvrage. Oui. 84, Chemin Crossroad, c'est un échange de lettres entre une femme et un libraire. Et c'est pareil, c'est une demande de documents en fait, entre cette femme et son libraire. Après, 84 Charing Cross Road, ce sont des lettres réelles d'Hélène Alf au frère d'un homme à distance. En fait, la ressemblance est juste dans ce thème-là. Parce qu'après, au niveau du ton, au niveau de l'histoire, c'est totalement différent.